Un hôtel du quartier diplomatique de Kaboul a été attaqué à la tombée de la nuit. Une attaque qui s'est soldée 6 heures plus tard par la mort des 4 assaillants. Selon les forces de sécurité afghanes, il n'y a en revanche pas eu de victimes civiles ou militaires. L'établissement, qui héberge principalement des Occidentaux, appartient au Rabbani, une famille très influente dont fait notamment partie l'actuel ministre afghan des Affaires étrangères. Il y a une dizaine de jours, les talibans ont revendiqué l'attaque contre le Park Hotel, un établissement fréquenté par les étrangers près du ministère de l'Intérieur. 14 personnes avaient alors été tuées.